plus rien n'est comme avant pour le panier de la ménagère congolaise, de plus en plus asphyxiée par la cherté des denrées alimentaires observées dans les différents marchés de Pointe-Noire. Les ménagères ne savent plus à quel sens se vouer. Vraiment, ça coûte très cher, donc vraiment, ça ne nous convient pas, quoi. Même si tu as 5 000 au marché, vraiment, il ne te reste plus rien. La bouteille d'huile, la bouteille de maillot est devenue à 1 700. Donc, vous voyez. Donc, on ne peut même pas, avec 5 000 avant, tu peux faire les provisions. Donc, j'achète la bouteille d'huile à 1 000 francs, 1,5 litre à 1 000 francs. Tu peux acheter des oignons, tu peux préparer avec peut-être même une semaine, tu vois. Mais aujourd'hui, là, 5 000, un jour, c'est fini. L'huile qu'on paye à 1 000 francs, ça devient 1 500. Mais quand je viens au marché avec 15 000, soit 5 000, je arrive au marché, là, vraiment, les choses sont maintenant augmentées. Moi, je vais faire comment? Une famille nombreuse, tu as 10 enfants ou 9 enfants, tu arrives au marché avec 2 000 ou 3 000. Est-ce que je peux nourrir 8 à 9 enfants? Ça va marcher. Pour cette vendeuse, la vente au détail ne nourrit plus son homme comme jadis, pointant du doigt l'augmentation des prix des denrées importées chez les grossistes auprès desquels elles vont s'approvisionner. Il y a des cartons qu'on achetait à 10 000, 12 000, mais là, le carton qu'on achetait à 10 000, c'est maintenant à 13 000 et quelques. On arrive ici au marché, le client ne nous comprend pas. Donc on ne sait pas même nous-mêmes la façon de vendre vraiment. Ça nous fait pitié même lorsque l'autre achète comme ça. Il n'y a même pas quelque chose que tu peux mettre dedans. Et beaucoup de gens se plaignent. Même nous-mêmes ici, lorsqu'on arrive à la maison, on ne sait pas. L'enfant peut demander quelque chose. Tu dis, il n'y a rien, il ne va pas te comprendre. Parce que tout le monde, tous les jours, tu es au marché. Mais cette cherté ne concerne pas seulement les denrées alimentaires importées. Le même constat se fait ressentir sur les denrées locales, à en croire cette femme. Même la ciboule qu'on payait à 2 000 francs aujourd'hui, par exemple aujourd'hui ce matin-là, nous avons payé ça à 10 000, 9 500, 8 500. Lorsque vous arrivez au marché, ça ne marche pas. Les vendeurs se plaignent, les acheteurs se plaignent. Qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui peut marcher? Donc c'est à regarder. Une situation difficile pour les ménages congolais avec la baisse de l'économie renforcée par la crise sanitaire, sachant que le revenu mensuel du Congolais moyen ne lui permet pas toujours de joindre les deux bouts du mois.